Bon. Ok. Bom, vamos retornar então ao segundo momento dessa tarde. Uhum. Vamos começar a deuxième partie de cet après-midi. Com o trabalho do professor Caulio Sherin e Elodie Papelot. Muito obrigado. Je me permets de rajouter que Elodie Papelot Hetzmann travaille ailleurs qu'à Saint-Louis, puisque nous avons surtout, vous l'avez dit au début, des collègues à Saint-Louis avec lesquels nous avons préparé la journée. Et il y a aussi, c'est le cas d'Elodie Papelot Hetzmann, quelqu'un qui travaille à l'hôpital Tenon. Voilà, on va commencer par une petite introduction. Le titre de notre conférence ou de notre communication commune, c'est « Greffe rénale avec donneur vivant. Quelle posture possible pour le psychologue clinicien ?» Les psychologues cliniciens à l'hôpital sont parfois amenés à donner leur avis ou même à s'insérer explicitement dans des dispositifs de prise de décision concernant les modalités de prise en charge médicale des patients. Et ici, prise en charge à sa connotation médicale. C'est particulièrement vrai dans les services hospitaliers à haute technicité, où les avancées spectaculaires de la médecine contemporaine créent des situations inédites, où les enjeux psychologiques, sociaux et éthiques provoquent une interdisciplinarité d'une complexité rare. Il en est ainsi dans les services de transplantation d'organes, où la greffe, à partir d'un donneur vivant, s'accompagne invariablement chez les médecins de questions en rapport avec l'aptitude, vous entendez les mots, tant du donneur que du receveur à faire face à la situation du don familial. Cette aptitude tient à la qualité de la motivation, au libre consentement, à l'équilibre psychologique des deux protagonistes dont l'équipe médicale souhaite s'assurer, afin de prévenir ou d'éviter des complications psychologiques en post-greffe. Vous entendez que ce n'est pas mon vocabulaire à moi, c'est un vocabulaire, je dirais, plus techno-médical, auquel nous sommes habitués d'ailleurs dans les hôpitaux. Cette aptitude... Ah non, je suis déjà un peu plus loin. On ne s'étonnera pas de l'approximation, sinon du flou entourant ces notions. Et sans pouvoir ici nous étendre, nous ne ferons qu'évoquer la difficulté considérable pour toutes les équipes médicales à travers le monde de dégager des critères entre guillemets rationnels, raisonnables et applicables, permettant de baliser un terrain psychique aux multiples inconnus. Difficulté autrement dit, de ne point se laisser guider par des conceptions éthiques trop conservatrices, sinon subjectives, ou encore d'appliquer des critères psychopathologiques, voire psychanalytiques, au sens large de ces termes, à des fins normatives. Ces fins normatives, c'est tout bêtement faire la part entre les bons et les moins bons donneurs, ou les bons et les moins bons receveurs d'organes. Vous voyez, c'est aussi simple et c'est aussi impossible. Critères qui vont à l'encontre de notre éthique de clinicien, ou fins normatives qui vont à l'encontre de notre éthique de clinicien, surtout d'orientation analytique. Ou encore, qui sont incompatibles avec les objectifs cliniques d'accompagnement des patients concernés. Nous soulevons ainsi bien des questions, sachant que nous ne pourrons en expliciter que quelques-unes dans la suite de notre exposé. Et pour réfléchir à ces enjeux, on va bien sûr tout de suite donner la parole à Elodie qui va nous présenter le dispositif et puis une vignette clinique. Je t'en prie. Je remercie Caulio Sherin pour ce travail commun et ce colloque. Pour réfléchir à ces enjeux, je vous propose de vous donner un aperçu du dispositif lié à la consultation psychologique destinée aux greffes rénales donneurs vivants apparentés, comme on les appelle. Nos réflexions seront nourries par certains aspects d'une vignette clinique, celle de Madame et Monsieur S, mère et fils, donneuse et receveur potentiel. Lors de ma prise de poste au sein d'un service de transplantation rénale et en dehors de mon cadre classique d'une psychologue travaillant en service somatique, si tant est que ce cadre puisse être qualifié de classique,
Il m'a été demandé d'évaluer, entre guillemets, les donneurs potentiels. C'était une tâche protocolisée, déjà menée par mes prédécesseurs. En quelques mots, la mission est la suivante. Recevoir en entretien, un seul entretien, le candidat au don, l'expression est celle de l'Agence de la biomédecine, et donner son avis sur sa capacité ou non à donner un rein à un membre de sa famille ou à un ami. Cet entretien se déroule en général lorsque le bilan prédon est bien avancé. Cet entretien est pris dans le lot global du bilan qui dure plusieurs mois entre les échographies, les bilans sanguins, les consultations avec divers médecins, etc. Espace de décalage donc, mais circonscrit. Je passe rapidement mais mentionne tout de même les questions liées au cadre spatio-temporel de cette tâche. À quel moment du bilan organiser cette rencontre? Où? Comment la présenter? Par qui? Détail certes, mais qui révèle la place et le sens pris ou donné à cet entretien. Cette demande d'avis est fondamentalement embarrassante, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu et que je la vis encore, mais elle est également embarrassante parce qu'elle est hybride. Demande indirecte et non obligatoire de l'Agence de la biomédecine, puisque tous les services de transplantation n'ont pas de psychologue, demande du service et demande non exprimée par les patients. En y participant, le psychologue exprime-t-il lui-même une demande? Ici, le désir du patient n'est pas le motif et l'on doit bien faire avec, lui comme moi. Ensuite, que faire de cet entretien? L'écrit déjà. Traditionnellement, dans mon service, le psychologue envoie un courrier à la coordination de greffe qui transmet le document à l'Agence de la biomédecine. Le patient en est informé. En effet, une fois le dossier bouclé et viable, le candidat au don, puisqu'il est appelé ainsi, sera auditionné par un comité d'experts donneurs vivants de l'Agence de la biomédecine qui essaie de s'assurer de la liberté de donner ainsi que de la protection et de la bonne compréhension du donneur. En d'autres termes, il cherche un consentement éclairé. Ces comités d'experts, évidemment le terme choisi interroge là encore, sont composés de médecins, d'un psychologue et d'une personne qualifiée en sciences humaines et sociales qui est donc différenciée d'un psychologue. Dans le dossier qu'ils reçoivent avant l'audition du donneur potentiel, ils y trouvent mon compte-rendu. Bien qu'il ne soit pas obligatoire, c'est une sorte de valeur ajoutée particulièrement appréciée par l'Agence de la biomédecine, en tout cas dans le retour qu'ils nous en font, une sorte de sésame fantasmé qui pourrait dévoiler la vie psychique de ce candidat au don bien mystérieux. J'aurais pu noter un laconique vu ce jour pour me protéger d'une quelconque trahison du secret de l'entretien, mais cela n'a pas été mon choix. Pour faire bref, je reprends certains éléments biographiques et rapporte quelques-unes des motivations exprimées par le donneur potentiel. Évidemment, les écrits des psychologues sont un débat récurrent. C'est donc dans ce contexte particulier que j'ai rencontré la mère de Monsieur S. Je demande habituellement aux donneurs s'ils savent pourquoi ils se retrouvent face à un psychologue, puis explique le cadre. Il s'agit avant tout d'un espace mis à disposition de chaque donneur potentiel, et il peut en faire ce qu'il en veut. Voilà le joli principe qui oublie le truchement d'une des finalités institutionnelles, que le psychologue puisse en faire un retour. C'est un écueil qui se retrouve dans la pratique hospitalière courante des psychologues. Tout d'abord, quelques éléments à propos de Monsieur S. Il est marié, père de famille, et est arrivé en France il y a quelques années avec sa mère pour pouvoir bénéficier d'une meilleure prise en charge de son diabète. Quelques mois après, le patient entre dans le cycle de 3 séances d'hémodialyse hebdomadaires. Le reste de la famille les rejoint au compte-gouttes. J'invite Madame S. à raconter l'histoire de ce projet de don, et le résultat est un entretien somme toute classique, attendu d'une mère qui se déclare comme donneuse pour son enfant malade. Elle trouve son fils fatigué, mais courageux. Elle se montre émue lorsqu'elle expose ses motivations. Elle aimerait qu'il soit sauvé, ce mot vient d'elle, et espère une meilleure qualité de vie pour son fils. Elle est consciente des enjeux. « Je sais que ça ne me guérira pas », dit-elle. Sa représentation de la dialyse dans son pays d'origine est la mort. Elle dit avoir pensé au don dès qu'elle a appris l'insuffisance rénale de Monsieur S., mais n'a aucune idée de la façon dont son fils vit cette proposition. On peut percevoir des fantasmes de réparation et des bénéfices pour la donneuse, habituellement entendus dans ce contexte. Jusque-là, elle est dans les clous, pourrions-nous dire. Le discours des donneurs est souvent lisse et défendu en apparence. Ils sont écoutés par un psychologue, mais savent ou pensent savoir qu'ils sont jugés, examinés, pris dans la batterie de tests du parcours du combattant, comme ils disent.
Cependant, et guidée par mes questions, Madame S. dit ne pas parler du projet de greffe avec son fils. À la maison, selon elle, on ne parle que des choses positives. Il s'agit là d'un point crucial qui m'interroge immédiatement. Cela étant dit, et puisque seul mon retour sur le donneur est nécessaire, mon avis aurait été qu'il n'y avait pas de contre-indication majeure. Il est à préciser que je me sens relativement libre, autant que possible en tout cas, de donner mon avis, même négatif, et que je peux prendre plus de temps avec les patients si je le souhaite. À vrai dire, il n'était pas possible pour moi, compte tenu de ce tabou, de ne donner ne serait-ce qu'une opinion. J'informe Madame S, puis l'équipe de coordination, que je vais proposer à son fils un entretien lorsque le bilan pré-greffe sera avancé, sans me douter de l'importance de la situation sous-jacente. Évidemment, cela pose la question qu'un même clinicien rencontre deux membres de la même famille. Cela a-t-il plus de sens dans le cadre de la greffe avec donneur vivant ? Cela peut-il symboliser le lien du don, la dialectique de donner et de recevoir, dans un environnement qui tend à cliver ? Ce sont des questions que nous laissons ouvertes. Je prends donc l'initiative d'appeler Monsieur S. Je précise que cet appel vient d'un changement antérieur qui m'est apparu rapidement au début de ma pratique. Il vient de mes entretiens en hospitalisation avec des receveurs de reins de donneurs cadavériques, selon les termes utilisés. C'est avec eux que s'affirmaient, de façon plus ou moins latente, les difficultés, voire même la souffrance de la réception, puis de l'incorporation de l'organe. Après discussion avec l'équipe de coordination, chef de service médecin et infirmier, j'ai pu mettre en place une consultation pour les receveurs. Si celle des donneurs était systématique, quid des receveurs ? Il faut dire que suite aux entretiens psychologiques et à ce stade du bilan prédon, je n'ai vu que des receveurs refuser la greffe et non pas des donneurs. Plusieurs semaines avant la date de l'intervention chirurgicale, je reçois donc Monsieur S, qui narre à son tour ce projet de greffe. Et bien qu'actif lors de l'entretien, le discours apporté est pour le moment assez banalisant. Il rapporte sa découverte des dégâts causés par le diabète dans son corps, ici les yeux et les reins. Comme sa mère, il perçoit en la dialyse un sort funeste à part en France. D'ailleurs, il ne souffrirait pas des séances et les aurait bien intégrées dans sa vie, contrairement à la plupart des patients dialysés. C'est assez rare d'avoir ce discours-là. Sa représentation de la greffe est manifestement positive. « Avoir une vie normale », affirme-t-il. Il voit le don vivant comme une chance supplémentaire de réussite sur le plan médical. « Ça me soulage beaucoup », dit-il encore. Quand je le questionne sur pourquoi la greffe avec donneur vivant est mieux selon lui, il tient un long silence. Ce silence annonce un tournant dans la rencontre. Sa mère lui aurait proposé d'être donneuse lors d'une consultation médicale, le surprenant alors, et comme il dit, elle l'a fait sans même me demander. Je n'ai pas pu percevoir l'affect lié à cette remarque. Surgit la question de la demande dans le don, souvent oubliée, voire même évitée, lorsqu'il s'agit de recevoir un rein. Car nous avons d'un côté le receveur qui est malade, et de l'autre, le donneur qui est par définition en bonne santé. De façon caricaturale et superficielle, le marché est vite conclu. La loi de l'offre et de la demande. Comment refuser un désigné aller mieux lorsqu'on est malade ? À partir de là, des éléments de doute émergent dans son discours que je relève et renvoie aux patients. De longs silences prennent place, plutôt aurais-je envie de dire qu'ils prennent toute la place, et ce, de façon tout à fait supportable pour moi. Ces silences étaient visiblement très investis par Monsieur S, comme s'il s'était retiré en lui-même. J'avais l'impression d'être une spectatrice se taisant et écoutant le silence pourtant animé qui précède le lever de rideau au théâtre. Sauf qu'il s'agissait ici des mouvements psychiques qui dévoilaient le début de l'émergence du désir de ce patient. Lorsqu'il a été prêt, M. S. annonce « Si je pouvais attendre et prendre le rein de quelqu'un d'autre, je le ferais, mais elle a proposé. » Cela nous rappelle une des trois obligations du cycle du don, décrite par Marcel Mauss, l'obligation de recevoir. Ces silences ont été les points fondamentaux qui ont teinté d'une autre couleur cet entretien. De plus en plus, et fait assez rare lors des entretiens avec des receveurs potentiels, en tout cas dans ma pratique, le patient semblait pouvoir s'exprimer plus librement. Dans une atmosphère flottante et ambivalente, il se montrait à la fois inquiet pour la santé, si ce n'est pour la survie de sa mère, et touché par ce geste maternel. Il était également rassuré par les médecins et par les bons résultats des examens de Madame S.
Puis, dans ses nombreux allers-retours, il dit presque malgré lui « Si ça ne se passe pas bien, je vais foutre la vie de ma mère en l'air. » Et ajoute « Ce n'est pas 100%, que l'on peut évidemment entendre comme parlant des risques médicaux du don d'organes, mais l'on peut également entendre que ce don de reins, de cellules et de sang n'est ni parfait ni pur et qu'il n'y a pas d'équivalent ni échange possible. Ce ne sera jamais 100%. » Il continue « Maman insiste, mais la dialyse ne me dérange pas. Je veux bien attendre. » Sous-entendu un donneur décédé. Manifestement, ce patient commence une élaboration psychique de ce projet de greffe intrafamiliale. Très concrètement, en tant que psychologue, quel comportement adopter? Je ne le sais toujours pas, mais j'ai pris le parti de lui dire qu'il avait la possibilité de refuser cette greffe, tout comme je le fais avec les donneurs. Comme une information, finalement, bien que cela ne soit pas une information anodine, d'autant plus qu'elle appartient en partie au domaine médical. Quoi qu'il en soit, cela interpelle sur la place du psychologue dans un tel dispositif, qui n'est pas seulement dans l'écoute active, qui n'est pas totalement neutre, et qui est face à une obligation dans l'acception plus juridique du terme, à quelques semaines de la date prévue de greffe. Il nous semble indispensable d'orienter alors le patient vers la coordination de greffe, car le sujet est bien médical et c'est le médecin qui coordonnera, aussi bien réellement que symboliquement, les différents nœuds à l'œuvre dans une greffe. Sa fonction, celle du médecin, est indispensable tant il est partie prenante de la triangulation donneur-receveur-médecin. Refuser d'accepter un rein de sa mère n'est-il pas dans un premier mouvement refuser cette greffe au médecin ou peut-être plus à la société? Monsieur S. confirme que le sujet de la greffe est tabou entre sa mère et lui. Puis, en continuant l'entretien, j'apprends que le patient n'a pas retenu du discours médical qu'il ne gardera vraisemblablement pas le rein de sa mère toute sa vie, puisqu'il est assez jeune et il y aura probablement un rejet de greffe. Cela sera une nouvelle courbe explorée dans ce chemin qui pourrait en changer la destination. La peur de Monsieur S. est de plus en plus palpable, et dans un surgissement pulsionnel, il pleure. Cette parole ouverte, provoquée par cet entretien, et je choisis précisément le mot « provoquer », a dévoilé, pour et par le patient, des questionnements et enjeux fondamentaux. Dans un mélange de malaise et de lucidité, le patient exprimait clairement qu'il doutait de vraiment pouvoir accepter cette greffe. Il souhaitait quelques jours en plus pour y penser. Nous reprenons donc une date, lui et moi, après un nouveau rendez-vous médical, car il va sans dire que tout ne se joue pas dans le bureau du psychologue. Impossible bien sûr de conclure, tant Monsieur S. était au début d'une élaboration, et je crois que ce n'était plus la question. Une fois le médecin averti, j'ai pu échanger avec l'équipe de coordination, comme souvent dans les couloirs ou dans les bureaux, en jouant à l'équilibriste. Ce qui nous ramène au problème de nos pratiques quotidiennes, à savoir comment jongler avec la demande dans tout ce qu'elle comporte et les informations que nous avons à propos de la vie interne des patients. La semaine suivante, je reçois de nouveau Monsieur S., qui a convenu avec le médecin, qui était à l'écoute et par lequel il s'est senti rassuré, de prendre une semaine supplémentaire de réflexion. Il est de plus en plus clair que cette greffe arrive trop tôt et d'après lui, il a besoin de quelques mois pour quelque part s'approprier, voire subjectiver cette greffe. Il demande également, l'une des premières demandes pleines de ce cas, un suivi psychologique avec moi pour travailler ces questions. D'autre part, M. S. a pu dire à sa mère son hésitation et elle lui aurait répondu qu'il s'agissait de sa décision, donc celle du fils. Il exprime encore sa préférence pour un don cadavérique et anonyme donc. Cela étant dit, un tel choix le confronterait à une attente sur liste d'environ 3 ans. Le patient a été greffé avec le rein de sa mère à la date annoncée. Nous nous arrêterons là, le temps filant, bien que l'histoire de M. S. et de sa greffe ne finisse pas ici. Alors ce cas présente évidemment une multitude de questions. Alors ce que nous avons choisi de faire, et nous n'aurons d'ailleurs pas le temps de le faire tout à fait, mais en tout cas, c'est de ne justement pas rester au cœur de ce cas, qui quand même est très exceptionnel, à toute une série de points de vue. Mais l'idée était de revenir à cette question de départ qui est, mais au fond, qu'est-ce que le psychologue vient faire dans cette affaire? C'est-à-dire une affaire où, que ce soit explicite ou implicite, on lui demande de participer à un processus de décision, en disant, c'est aussi vertigineux que cela, oui ou non? Favorable, défavorable. Alors, je ne
conçoit. Je ne pense pas du tout que le psychologue ait une telle puissance, un tel pouvoir, hein, parce que effectivement, au bout du compte, c'est quand même l'agence de la biomédecine ou en tout cas le chef de service ou l'équipe qui prendra cette décision. Mais c'est la question, c'est quelle place prend quand même la parole du psychologue dans cette affaire, hein. Alors, il me semble qu'il y a une question préalable qui se pose, et je vais d'ailleurs vraisemblablement me limiter à ça. Quelle est la demande des médecins adressée aux psychologues, finalement? Quelle mission, vous entendez déjà le glissement, cette demande comporte-t-elle? Et quelle représentation du psychologue et de sa fonction est-elle ainsi véhiculée par le ou les médecins, mais par toute l'institution par ailleurs? Ensuite, quelle est la nature du retour effectué par le psychologue vers l'équipe et les médecins, en particulier le retour, c'est-à-dire ben, qu'est-ce qu'on en dit de ces entretiens? La question de l'écrit, je la ressouligne parce que je suis convaincu que vous êtes enfin, très nombreux à être confrontés à ce truc inextricable. Hein. Un avis, alors ça c'est la fameuse formule, hein, un avis, c'était marrant d'ailleurs parce que c'est là où il y a eu le lapsus, un ami, mon œil, enfin bon, l'avis n'est certainement pas notre ami, tout au contraire, un faux ami peut-être, hein. Alors un avis, peut-être, mais avec quel contenu, sous quelle forme, hein. Et surtout, y a-t-il à se prononcer sur la question la plus épineuse, laquelle on s'en doute n'est rien moins que de décider si un patient est apte, je reviens avec ce mot, à donner, et l'autre apte à recevoir ce don d'organes. Ben oui, elles donnent le vertige, ces questions, tellement elles sont saturées d'enjeux fondamentaux. Hein. Alors, l'idée était de vous présenter quelques balises, mais je crois que c'est fort prétentieux, sachant qu'il est 17h22, et que je suis obligé, hein, de me contraindre à la castration du temps tout de même. Alors, juste une petite balise quand même, hein. Toute demande, quand bien même, et d'ailleurs ça fait écho au texte de ce matin de Maria Livia, quand bien même en provenance de collègues auréolés de leur autorité médicale, mérite analyse. Toute demande mérite analyse. Alors je sais que je suis dans une idéalisation déjà, mais ça vaut la peine parfois de la partager ensemble. Hein. Alors, au sens de l'analyse de la demande enseignée dans nos cours universitaires, ayant en particulier pour objectif de dégager la part inconsciente logée dans toute demande, nous ne pensons pas que l'objectif d'un psychologue à l'hôpital soit celui de dégager les motivations inconscientes du personnel et de l'institution médicale. Ça a été dit, et je suis content de simplement pouvoir le rappeler. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas constamment agissantes, ces demandes inconscientes. Mais il n'y a pas lieu, à ce stade encore moins, hein, d'aller interroger ça, me semble-t-il. Il en va sur ce point de toute activité humaine, toute activité est sous-tendue par, hein, des contenus inconscients. La question est plutôt d'analyser ce qui, dans la demande qui nous est adressée, révèle la part d'inconnu qui signe les limites du pouvoir médical et qui nous est comme tel adressé. C'est ça, dans une grande assurance, avis, retour, hein, critères, au fond nous est transmis une part d'inconnu, hein, qui, je pense, est toujours engagée, quand bien même elle n'est pas, elle ne s'affiche pas, hein, et je crois que ça, explicitement, et ça a été dit aussi, hein, par Marie-Olivia ce matin, il y a quand même à entendre d'abord cette part d'inconnu qui nous est adressé, et je dirais même que certains personnels, dont certains personnels se débarrassent. Hein, et ce n'est pas une critique. Elle nous est adressée de manière le plus souvent voilée, cette demande-là. Voilà en ce sens que ce type de demande nous est régulièrement adressée à l'hôpital, soit avec une apparente désinvolture, hein, ce qui pourrait faire penser que le médecin n'a qu'une estime limitée pour ces choses qui lui échappent, autant que pour les travailleurs de la psyché qui en ont fait leur spécialité, entre guillemets. Je pense à cette fameuse phrase qu'on connaît tous, « Voulez-vous bien aller voir Madame X dans la chambre 17 et lui remonter un peu le moral, s'il vous plaît ?» Soit encore avec l'affichage d'une assurance typiquement médicale quant aux objectifs à poursuivre et aux résultats à obtenir. Cette dernière posture est d'autant plus courante qu'elle équivaut au découpage médical en spécialité, de sorte que le psychologue est un pourvoyeur de résultats, au même titre que le radiologue ou l'hépatologue, enfin on peut continuer la liste. Donc le médecin demandeur nous suppose un pouvoir d'agir dont il préfère d'avance fixer les coordonnées. Mais alors, quelle posture prendre dans pareil cas?
C'est-à-dire comment prendre à sa juste valeur cette part d'inconnu évoquée, de sorte à prévenir les malentendus ou des confrontations coûteuses qui le sont toujours aussi pour nos patients. Pour une fois, la réponse nous paraît simple, ce qui ne veut pas dire que sa mise en œuvre ne sera pas autrement plus ardue. Cette part d'inconnu est aussi et en même temps la nôtre, quand bien même formée au phénomène de la psyché. Mais là où tout médecin est constitutionnellement, si je peux me permettre ce mot, formé à s'en dégager, afin d'investir en priorité, tout à fait légitimement d'ailleurs, les outils de son pouvoir médical, le psychologue à l'hôpital a pour première priorité d'en prendre toute la mesure de cette part d'inconnu. Cela veut dire très concrètement reconnaître dans le contact même avec le médecin demandeur cette dimension d'inconnu, c'est-à-dire prendre le risque de s'ériger en spécialiste de rien ou du rien, comme je l'ai parfois entendu dire. Mais effectivement, nous sommes spécialistes de ce rien qui est effectivement indéfinissable pour tout le monde. Et donc je suis simplement en train de vous revaloriser, vous et moi, spécialistes du rien. Non, mais c'est absolument indispensable. Analyser cette demande veut dire concrètement et au même moment pousser littéralement le médecin à partager cette dimension d'inconnu alors qu'il préférerait s'en dégager. Vous dites que je suis en plein délire, mais ce n'est pas tout à fait impossible quand on commence à faire sa place dans un service, petit à petit, à moyen de pousser le médecin contre l'ascenseur. Enfin, je ne suis pas sûr, mais bon. Cela de préférence avec la tranquille assurance que c'est bien là que réside à la fois notre légitimité et notre pouvoir de psy. Ça me paraît important parce que c'est un réel, le pouvoir il est là. Il est dans cette interdisciplinarité que nous avons à construire et que nous avons à déconstruire la représentation d'une pluridisciplinarité où les spécialités se concatènent, se somment, une espèce de sommation, qui n'est pas du tout de l'ordre de cette interrogation collective, nous deux, médecins, psychologues, ou nous trois autres praticiens de la santé dans ce service-là. Alors c'est une question de temps, évidemment. Ce bien précieux, le temps, dont la rareté signe bien sûr toute la résistance déployée pour s'arrêter sur cette part d'impuissance que l'on préférait occulter. Pousser à partager nos questions et prendre le temps sont aussi les conditions sine qua non d'une véritable rencontre pluri- et interdisciplinaire. Véritable au sens où chacun va pouvoir donner le meilleur de sa profession, de sa formation, mais aussi de sa subjectivité humaine. Alors, c'est très simple, il y a une suite, mais vous resterez sur votre faim. Et moi aussi d'ailleurs, parce que franchement, l'essentiel, c'est qu'on ait quand même encore 5 minutes au moins, 10 normalement, pour que vous puissiez intervenir. Et n'hésitez pas à le faire sur le cas qui a été proposé avec des pointillés. Il y en a toute une série. Mais il y a eu aussi des moments très concrets, je pense. Et ça vaut vraiment la peine de revenir au ras des pâquerettes. Donc allons visiter les pâquerettes, n'hésitons pas, vraiment. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, en fait, l'idée, c'était, Marcella, j'oublie, de dire qu'on va se retirer un instant, au sens où on vous laisse vraiment la parole. On va... Voilà. Je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que je trouve que ce qui est particulièrement compliqué, c'est que finalement, à ce moment-là où la psychologue ou le psychologue est interrogé justement à une place de savoir et à une place d'expertise, on doit là aussi y renoncer. C'est-à-dire finalement, voilà, sur une position éthique, dire non, pour une fois que l'équipe médicale et que les soignants nous confèrent un peu de savoir, un peu de pouvoir, de dire qu'on va essayer de partager, je ne sais pas si c'est le rien, mais en tout cas de partager le fait de ne pas tout savoir et de ne pas avoir un savoir particulier. Et je trouve que c'est très représentatif de la place du psychologue à l'hôpital, qui est d'avoir à se confronter à chaque fois au fait de renvoyer, de jamais répondre à la demande, en fait, des soignants et des médecins, et donc de devoir supporter cette place-là qui est quand même narcissiquement pas évidente.
et que même quand il y a des dispositifs où là on ferait une place où le psychologue serait spécialiste, expert, aurait un avis qui compte, ben on doit faire l'effort de s'y refuser. Et je trouve que c'est encore une autre difficulté. Voilà, mais en fait, je crois qu'on ne peut s'y refuser que si on s'y refuse tous ensemble, que si on se refuse à avoir la bonne réponse à toutes ces situations folles. Et je dis ça parce qu'on ne peut pas ne pas répondre à la demande, il faut répondre à la demande qui est légitime, j'insiste, c'est cette demande d'inconnu. Qu'est-ce qu'on fait avec ce truc ? En fait, tous les médecins eux-mêmes et la science médicale elle-même est complètement dépassée par les enjeux fous dont Élodie vient de nous donner un aperçu. Et la seule façon de répondre à cette demande, c'est de créer cet espace interdisciplinaire. Cet espace où on est tous devant cette folie, en quelque sorte, pour faire simple. Et d'ailleurs, c'est la discussion qu'on a eue ensemble, qui était que, entre guillemets, malheureusement, quand en plus, ce qui complique toute cette affaire, il y a une agence de la biomédecine qui ne se matérialise pas dans le chef de service, par exemple, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a une espèce de désubjectivation via des circuits administrativo-bureaucratiques qu'on a évoqués, d'ailleurs, mais qui, ici, ont, alors là, une puissance 10, parce que, fondamentalement, et on en a discuté vraiment, ce qui serait absolument indispensable, c'est de pouvoir parler de M. S et de Mme S, ensemble, en équipe, et tout simplement de laisser décider cette équipe dont je suis, dont vous êtes membre, mais ensemble, parce qu'il faudra bien faire quelque chose, il faudra bien, est-ce qu'on laisse faire cette greffe ou non, etc. Finalement, il faut partager cette impuissance à décider comme il faut. Fondamentalement, c'est de ça, je crois, dont on a essayé de parler. Mais je vous en prie. Oui, comme je dis, c'est une demande dans ma pratique qui est toujours embarrassante et lourde. Après, c'est pour ça que j'utilisais le terme d'obligation. Alors, pas l'obligation maoïsienne, mais vraiment l'obligation. Moi, je travaille quand même à l'hôpital, je ne peux pas dire non à cette mission-là. Donc, du coup, le biais que j'ai trouvé, c'est en fait dans mes courriers, je ne conclus pas, je dis ni oui ni non. Donc, c'est un milieu, c'est un peu un flou avec. Des phrases un petit peu à l'attention des psychologues, des comités d'experts, mais si vraiment il y a quelque chose qui me gêne fondamentalement, mon courrier partira pas, en fait. Je vais pas. Dans ma pratique aussi, là c'est le cas avec Monsieur S, c'est que c'est Monsieur S, bon, Madame S aussi, mais c'est Monsieur S qui est concerné. Donc pour moi, c'est lui, il a pu le faire, aller s'exprimer lui-même. C'est. Moi je suis un espace. Entre deux, alors je sais pas trop ce qui se passe réellement, hein, mais on a essayé de se débrouiller, lui et moi, comme ça. Bon, et finalement, il a accepté, mais ça, c'est un peu notre histoire. Merci. Donc, bonjour, Déborah Hiron, je travaille entre autres en néphrologie et en transplantation rénale, au CHU de Rouen. Bon, nous, on a la chance d'être deux dans ce service, donc l'une peut voir le receveur et... l'autre, le donneur. Et finalement, nous, on s'est servi de cet entretien qui est obligatoire, en effet, pour les donneurs, comme d'une chance au sens où on offre un espace d'élaboration. On propose un temps à ce donneur de se poser, d'élaborer autour de sa demande. Donc finalement, on en a fait ce temps-là aussi et un temps de rencontre. Au moment justement où ce donneur, il est pris dans les examens. Bon, on arrive au bout de la chaîne, hein, comme vous le disiez, mais au moment où il est observé, où il est examiné. Donc je trouve finalement qu'on peut en faire quelque chose de tout à fait intéressant et un moment de rencontre au sens où parfois, donc je ne sais pas pour vous, mais ces donneurs, ils nous recontactent après la greffe, parfois des mois après, enfin bien souvent même des mois après, pour amener justement d'autres questionnements et un autre vécu. Voilà. Eu quero falar um pouco sobre a minha experiência. Vous parlez de mon expérience dans ce domaine-là. Com pacientes no programa de transplante de fígado intervivos. Oui, donc un programme de donneurs vivants en transplantation hépatique. A equipe na qual eu trabalhava foi pioneira no transplante de fígado no Brasil e no transplante intervivos. Voilà, une équipe pionnière au Brésil en transplantation hépatique et en transplantation par donneur vivant. Et ouais, OK.
E quando o programa Intervivos começou, nós tivemos muito trabalho. Psicóloga, havia muito trabalho quando o programa do Donor Vivant começou. E eu me fiz a mesma pergunta que está no título de vocês. Qual a postura possível? Quelle posture pour qual é a demanda da equipe? E a demanda da equipe era uma demanda de garantia. Donner des garanties à l'équipe sur le bon, la bonne évolution psychologique de tout ce bazar, si je comprends bien. Eu tinha certeza absoluta que eu não tinha como atender essa demanda. Voilà, j'avais la certitude absolue de ne pas pouvoir satisfaire cette demande. O meu trabalho foi conversando com a equipe, fazer com que eles entendessem que o que eles pediam, eles só pediam porque era impossível. Ah oui, ça c'est intéressant. Donc, mon travail a été de leur faire comprendre que si ils me demandaient ça, c'est que, en fait, c'était impossible. Voilà, oui. C'est bien ça. Oui. Mm-hmm. Então, juntos, pensamos o que é possível. Donc, il faut se rejoindre, enfin, travailler ensemble pour voir qu'est-ce qui est possible. Et donc, tous ensemble. Ben, oui. Juntos, a decisão coletiva. Então, nós atendíamos o candidato, a doador. Donc, vous avez reçu le candidat au don. Tentando fazer com que o candidato falasse da sua motivação. E na maior parte das vezes, ele falava muitas coisas, mas não sabia exatamente. Ouais, c'est ça. Donc, vous transmettiez à l'équipe ce qui se disait dans ces entretiens, et la plupart du temps, ce qui se disait, c'est que le patient ne savait pas lui-même, en fait. Donc, la motivation, en fait, il ne savait pas lui-même, d'une certaine manière. Na verdade, nós sabemos que essa motivação é inconsciente. Voilà. Il y a des motivations inconscientes là-dessous, et donc c'est bien la raison. Oui. Ele não conhece. Uhum. Eu não posso inventar a motivação. C'est ça. Donc on peut pas inventer une motivation alors qu'elle est inconsciente en partie. Então, combinamos que o melhor que podíamos fazer é que ele fosse aceito quando ele, o candidato, tivesse ciente, soubesse que ele não sabe muito bem o que vai acontecer depois. Donc la seule façon d'arriver à une décision pour le patient lui-même, d'ailleurs, c'est qu'il accepte, et toute l'équipe, si je peux me permettre, Maria Lívia, que personne ne sait ce qui va se passer exactement après. Nós dispensamos o candidato de nous convaincre. Ça, on a dispensé le candidat au don à nous convaincre. Para nós, o importante é que ele tivesse convencido. L'important, c'est qu'il soit convaincu, quelles que soient les motivations ou soi-disant. Merci.